Qu'est-ce que tu sais? Il y a un tas de choses que je ne connais pas. Plein de questions qui posent des questions. Voyons voir où ça nous mènera. D'accord. C'est quoi jouer? C'est quoi travailler? Que veut dire aimer? Et qu'est-ce que c'est la jalousie? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait rire? Pourquoi se laver dans le bain? Est-ce que ça fait grandir? L'idée. Choisir. Bonjour Hugo. Lequel tu vas choisir? Bonjour Félix et Lily. C'est quoi choisir? C'est quand on décide de faire quelque chose. Ou quand on choisit une activité. Par exemple, on peut choisir à quel jeu on va jouer. Comme jouer au super-héros. Ouais. Ou tu peux choisir de jouer au chevalier. On peut aussi choisir avec qui on veut jouer. Est-ce que tu veux jouer avec plein de gens? Avec un seul ami. À l'attaque! À l'attaque! Parfois, on doit choisir entre plein de choses différentes. C'est très difficile. Je ne sais pas quelle direction je dois prendre. Alors, comment s'y prendre quand on a un choix très difficile à faire? Qui veut jouer au chevalier avec moi? Waouh! Moi je veux! Moi aussi! Attendez-moi! Oh ma tête! Toi tu pourrais être la belle princesse. Et toi tu serais le chevalier des ténèbres. Oh! Essayez de m'attraper! Bon, et moi alors? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas joué avec lui, Hugo. Et il s'est retrouvé tout seul. C'est pour ça qu'il est triste maintenant. J'aurais peut-être dû jouer avec lui. Tu peux encore choisir d'arranger les choses. Je suis désolée. Hé, tu veux peut-être jouer avec nous? Tu pourrais être l'incroyable dragon. Je ne veux pas faire d'auto-tamponneuse. Et pourquoi pas? Parce que ça remue dans tous les sens. Et quand j'en fais, ça me donne mal au cœur. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord. Youpi! Parfois, on ne choisit pas ce qu'on fait, Hugo. De temps en temps, ce sont les autres qui choisissent à notre place. Ou alors, c'est nous qui choisissons de leur faire plaisir. Peut-être. Mais alors, si j'ai le choix, pourquoi y a-t-il des choses que je suis obligée de faire? Parfois, on doit faire des choses pour ne pas se mettre en danger. Et il peut aussi y avoir des règles à respecter. Mais je suis pressée, moi! Il faut que je traverse! Tu dois attendre qu'il n'y ait plus de voiture! Donc même si la plupart du temps, on peut choisir les choses que l'on veut faire, on doit parfois décider en fonction de ce qu'il y a de mieux à faire. C'est vert, Hugo. D'accord. Alors je peux choisir de faire certaines choses et il y a d'autres choses que je dois faire même si je peux choisir de ne pas les faire. C'est ça. Attention, Hugo. Ça va, les garçons? Aïe. Je me suis fait un peu mal. Mais est-ce qu'on peut choisir ce qu'on ressent? Et toi, tu en penses quoi?